Bon après-midi tout le monde. Nous souhaitons la, pardon, nous souhaitons la bienvenue encore au ministre Ekoupiès. Et si nous ne pas trompé, nous avons Procurement Oversight Unit qui est avec nous. Am I right, PS? Bon après-midi. Et oui, Mr. Chair, tous les décembre, nous avons fait tous les devinés Procurement Oversight Unit avec National Tender Board. Très bien. Alors, nous avons avec nous M. Gass, qui est directeur Procurement Oversight Unit, avec son Senior Procurement Inspector, M. Morel, yes. Et puis, nous avons aussi pour National Tender Board, Miss Nancy. She is here. Sorry, Miss Nancy, mon pewaz pas, mon wa au télévision pas devant, mais là, écoute moi, t'es moi, j'ai eu la tête. So sorry about that. Moi, pendant ma coup, si mon sinon wa ou pas devant, moi, ça ne connaît, obviously. Avec évidemment, Monsieur Timier, Madame Timier. So, nous accordons ce jour de la bienvenue pour nos essences, nos conversations après-midi. Et avec ça, moi, demande, il y en a deux, pour tous les deux ensemble. Je demande à Clark, à Deputy Clark, pour prendre note tout le monde qui en vient intervenir, le SAD Heads. Procurement Oversight. Yes, PS, please, go ahead. Mr. Chair, this is pour Guido de Lopaz. Paz, oui. Procurement Oversight Unit, il passe 179 jusqu'à 184. Et National Tender Board, il passe 185 jusqu'à 188. Merci. 185 jusqu'à 188, procurement, li, il est 179, ok? 179 avec 185 pour National Tender Board. Et ça, nous demande tout bon qui a envie de prendre la parole, s'il vous plaît, les autres de la main. Clark et député Clark, je t'avais noté. Merci, M. Chair. Bon après-midi tout le monde. Le côté parti les pipes, moi, honorable Charles Comamon, honorable Sébastien Pillet, honorable Audrey Vidot, honorable Churchill Gill et honorable Weven William. Merci. Merci, député. Merci, M. Chair. Bon après-midi tout le monde. Le côté LDS, mon honorable Mkalawan, honorable Ferrari avec honorable Pillet. Merci. Honorable Adoué. Merci. Petit, straight away, nous commençons avec honorable William. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, anyway, il n'y a pas directement le budget, mais allocation. Mais un petit peu les autres façons de travailler, les faits qui on entend de soi pour dire qu'il y a un petit peu de retard ou une procédure qui la façon que les choses peuvent faire. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu qui ont des difficultés parfois? Mon voir dans les challenges, c'est un bon problème. Mais est-ce que tu as un fast track unit en bas de procurement? PIOU, merci. Ok, Mr. Gass. On va vous parler sur la question de procurement oversight unit, c'est ça? Mr. Gass. Okay. Bon après-midi à tous. Merci, Mr. Chair. Merci pour la question. Ok, en termes posés, nous avons qui parfois il y a un bon retard qui arrive avec procédure posée, mais c'est moins pareil nous la loi que la chose est claire le procédure. Si vous faites procédure bien, vous faites y aller, il prend normalement pour open tender, c'est mon cas pour quelle raison. Si vous faites bien, tout bon document est en ordre, il prend 4 semaines pour open tender. Après aussi, si vous pouvez faire un limited, qu'on appelle un restricted tender, normalement la loi il y a un minimum de semaines pour faire li. Et direct bidding, c'est tout que social bien de semaine. Mais parfois, pour toutes ces trois méthodes, si il y a quelque chose qui manque, ou bien le ministère pas suivre bien, son bon procédure bien, ou bien il pas get bien son bon document, définitivement pendant le retard. Mais c'est moi qui nous côté, as much as possible, comment nous gagnons un document est venu, minimum qui nous prend un jour pour nous retirer. Et pour ou que soit sinon un unit qui fait fast track poser non, mais c'est mal la loi fait bon prendre procédure, bon guide, si donc des situations, bonnes circonstances imposées, il y a une calisance. Quand il besoin de fast track, la loi fait procédure pour ça, mais pas suivre même formalité pareil ou pas tender, mais c'est moyen un special formalité qui gagne fait bah la loi pour lui aussi. Merci. Merci. Alors short and sweet. On aura Steven Pillet. Merci, Mr. Chair. Bon après-midi.
Mon question est pour Tenderboard avec procurement. Le côté Tenderboard, je voulais demander lesquels qui décidaient par exemple classe 1, classe 2, classe 3, contracteur pour faire poser. À cause d'un incident, côté simple, maintenance, le hall ou bien le kiosque, 300 et quelques du monde qui l'ont classe 3, ils ont méprisé. C'est pour une simple réparation, je pense, classe 1 et tout. Si vous avez un peu de détails là. Et puis pour le procurement budget, quelles autres réactions ont un over budget qui ont fait? Et puis ils ont demandé pour transférer à l'argent en plus, qui ont une save, sa département, au ministère, pour faire l'autre pause avec. Et puis le côté de l'année honorable de comment vous dites, si vous n'avez pas de certaines réserves limites pour une pause qui peut faire à cause du système over budget. Moi, je n'ai pas de papier. Il y a un budget qui mettait pour 400 000 quelque coupé, mais tender pour 35 à 40% under tendered. Qu'ils ont fait avec ça l'argent? Est-ce que tout le monde doit servir ou bien on a dit que pièces finance répond à l'argent, remettre dans notre budget à cause mon rapport du point il y a un paquet de jeux qui a passé là-dedans par une loi comme à mon titre. Merci, Monsieur Chair. Directeur Nancy. Bon après-midi, tout le monde. Merci, Mr. Chair. Merci, honorable, pour question. Concernant sa première question qu'on demande au Tender Board, nous donnons un temps pour nous appeler ça eligibility requirement. Veut dire, sa bonne classe contractée. En bas la loi procurement, ça que l'institution qui a créé en bas la loi, il y a une fonction spécifique. Par exemple, le ministère, c'est un autre rôle qu'ils ont joué. Puis il y en a pour lui comme un régulateur et Tender Board, il y en a pour lui. Sa issue eligibility requirement qui ont demandé, il tombe en bas fonction de ministère. OK? À cause l'état imposé commencé, c'est sa ministère qui fait ça qui nous appelle the what. Quoi qu'il nous besoin, qui moyen nous pour faire nous poser, qui nous peut targeter, qui critère nous pour servir pour nous poser, pour nous évaluer, nous poser, tout ça là est fait dans son organisation. Sur le temps, par exemple, pour être un advert de nation pour un target class 1 et 2, il veut dire que sa project unit dans son organisation, c'est pour complexité sa l'ouvrage, il peut avoir un class 1 et un class 2. Et nous, le côté board, nous n'avons pas ça l'autorité pour nous question autres eligibility qui sont en mettre à cause pareil beaucoup fois ben procuring entity dit nous autres qui connaissent cette technicality sont autres qui fait entrer ça de document. OK, so pareil mon expliquer ça il gars décidé au niveau ministère. Merci. PS Payette, vous les ajouter? Non? Yes, go on. Merci Mr. Chair, merci honorable. J'espère ajouter qui d'habitude si par exemple il arrive tender ou soit aller dans sa ministère, une procure, il y en a savings qui arrivent. Il vient savings d'Abidze. Il vient savings de sa ministère. Et dans Media Review, nous voyons par exemple s'il y a un code ou soit il y a un nouveau programme qui a envie de faire, ça y est, il consulte avec nous et nous pensons à savings et nous sommes capables à la oublier qu'il faut faire un nouveau projet. Par exemple, nous prenons SLTA. Si SLTI, par exemple, une voie qui sa location budget qui nous donne une carte à 50 semaines, nouveau semaine dans la community. Mais l'été arrive, Media Review nous voit qu'il y a un savings, il y a un nouveau semaine qui fois qui partit de mettre dans le budget, nous sommes capables d'aller pour commencer un nouveau semaine qui nous voit qui dans le budget, par exemple, 2019, nous mettons à location. Nous sommes capables de commencer cette fois, during the third quarter, commencer à faire son procurement qui a payé un bout. Donc, ça y a une discussion qui sa ministère basé le savings qui gagne, qui nous fait avec lui during the media review. Merci, Mr. Chair. On a pile, OK. All right. On a Churchill Gill. Non, monsieur. Sorry. Mon petit quoi, on dit moi, move non, on. Non. OK. Allez, on a pile. Oui, encore un éclaircissement, on pas payer gagne tout bien. À quoi les noirs pour budget fait quoi pour faire un PSIP pour 400 000 ou plus? Et puis vous faites un bénéfice de 100 000 euros. Vous pas quoi aller faire un media review, vous devez retourner là, vous demandez que nous approuvons pour 400 000, mais procurement, tender board, qui fait 200 000 euros pour vous, nous pas approuver pour l'autre semaine de PSIP, de poser. Nous approuvons pour ça, mais pareil, nous disons que l'impression que vous gagnez, vous gagnez inflated
un purpose pour vous faire les autres choses sans régulariser quand vous ne êtes pas nous. Et pour sa classe 1 et classe 2, je crois que pièce par au ministère devrait être bien là-dedans à cause. Tous autres posés, il y a des gens qui pour 25 à 30% ce qui peut servir class 3 contractors as well. Donc on n'est pas le temps de bord qui décide, mais le ministère devrait prendre un cas pour dire, dans la directive, les autres ministères pour dire, servir class 3 à cause de certains ingénieurs, dis-moi, 25 à 35% servir les autres pour faire. Merci, M. Chair. Pièce sous les respondre. Merci, M. Chair, merci, honorable. Point noté concernant classe 1 et classe 2, c'est une discussion spécialement. On va discuter avec le ministère concerné, spécialement le ministère de construction. On va discuter un peu avec les autres. Et concernant sa seconde proposal in regards to revert back to National Assembly, on va regarder façon de media review, l'état nous peut écrire nos rapports, qui at least National Assembly est au courant tout ça bonne posé qui pour commencer un peu plus bonnet, par exemple, qui fait baser le 2019. Mais que faille peut commencer plus bonheur qui naturellement est pour la 2019. Merci pour ça, M. Chair. Honorable Sébastien Pillay, related aux questions. Go ahead. Merci, M. Chair. M. Chair, par exemple, vous êtes comme un tender basé sur sa question. Est-ce qu'ils ont fait aucune analyse, le bon tenders, le bon bids qu'ils ont gagné pour les différents composants de travail, de sécurité, cleaning, etc. Vous faites l'analyse pour voir si ce bon bid peut fall within une certaine figure ou bien. Pour regarder si ça va être pas peut-être plus haut qui par exemple sa secteur puis au fait est-ce qu'il y a aucun travail qu'ils ont fait internally ou bien si ils ont recevoir sa bande bid ce process li et ont fait tender process internally il y a aucun analyse qui gagne fait mais ça va clarifier basé sur sa question qu'il a demandé. Merci. PS ou bien Miss Nancy. Merci, Mr. Chair. Merci, honorable. Honorable Boussac posé qui vient côté de board ça que l'organisation sont dans ça que sont appelé un cost estimate et ça il suppose gagne faire comme une guidance as to dans évaluation qui manière je pour rank bon bidders bon prix qui peut venir versus sa cost estimate qui gagne établi now dans tender board pour le moment on a this inclement mais maintenant this quatre staff so qui nous tente pour faire le temps. Ça va me poser, il vient devant board, et il y en a dans l'évaluation report, il y en a tout, ça va analyse. Nous discuter s'il faut des call-ins à ministère, autres communes. Et si, par exemple, nous filons pour dire qu'il y en a certains décalages et qu'il peut-être nous demande une seconde opinion on the analysis being made, nous refer ça avec entre board et discuter et dire qu'ils sont capables comment faire un independent review, l'eau ça poser, qui peut donner une seconde l'opinion dépendant de l'expertise s'attendre à atteindre. So, si pour un service, par exemple, consultant, nous avons besoin d'un petit monde qui a un peu de knowledge de sa domaine qui peut guider nous. Si le côté civil works, nous tout le temps refaire avec un QS qui peut donner nous un autre point de vue. Et aussi, lately, nous servons beaucoup, par exemple, de banque variation, sort of, nous servons beaucoup inspectorate unit, côté. Procurement Oversight Unit, qui allait pour faire un analyse un petit peu plus in-depth over ce qui est soumis par sa procuring entity. Merci. Honorable Churchill Gill. Merci, M. Chair. Mon question est la page 180. J'ai quand même une explication pour sa bonne augmentation suivante. Wages, il y en a une différence 900 000 roupies. Use of Goods and Services 830. Other use of goods and services 373. Après, dans les temps, nous pouvons faire délibération FPAC pendant l'année. Il y en a ben certains départements qui viennent qui les nous pouvons cause tender. Il y en a qui pas y mettre. Sorry, il y en a qui pas y suivre. Mais seulement après, il y en a qui dit nous pour dire plus tard, nous gagnons l'approbation. Mon question c'est si aujourd'hui, nous encore pouvons gagner une situation que tender pas gagne faire sa département final l'acheter après qui vient côte zone. Merci. Directeur Nancy. Merci, M. Chair. Merci, honorable, pour question.
Le côté augmentation de salaire, cette augmentation est en deux phases. Premièrement, bonnet salonné de mars, nous commençons la première phase pour transfert de procurement staff qui est dans la ministry en bas procurement oversight unit et ça tient total à peu près 800 000 roupies qui est transfert pour 5 ministères qui 6 000 appareils financiers transfert sur mon account staff en bas finance. Nous, si nous commençons la première phase, nous transfert premier bon procurement staff en bas procurement oversight unit. Et deuxième component, ça increase le salaire et pour scheme of service qui salonne, nous faire première phase, nous avons basic pay bon staff de procurement oversight unit et de ministère aussi. Et l'autre component salaire et pour deuxième phase scheme of service qui nous paie mon assistement injustement allowance et marketable skill qui pour le moment encore DP et pas pour voler pour passer pour l'année prochaine. Et le côté goods and services, major increase c'est principalement pour nos adverts qui dans office expenses par nous nous connaît en bas période une mandat pour nos advert bon tender et ça increase is principalement en nous gagne beaucoup plus advert qui gagne bin code nous pour mettre dans l'argent et deuxièmement c'est qui salon est à salon est nous on a un contrat qui nous signe avec SBC et nous commence mettre bon advert le radio. OK, pour other goods and services some major increases is pour nous rent qui pour ça là on est resté pareil et l'année prochaine nous forecaster 5% increase qui pour faire ça rent monter. Et la deuxième question monsieur honorable concernant si nous encore gagne ça bani chou pas au PJ franchement oui nous encore gagne ça bani car le ministère fait un procurement après demande nous approval mais c'est mais bon pour moi clair c'est que nous la loi pas permettre ça bani qualité action gagne pas. Et ministère still quand même nous fait beaucoup sensibilisation ici dans sa petit gain que tout a fait son procédure après demande approval et pour le moment là nous de procédure avec ministère finance pour nous c'est devises et mécanismes qui moyen nous procéder là avec sa situation pour bous devant. Merci beaucoup. Honorable Guillon, est-ce que tout le temps il même ministère qui donne sa problème ou bien il détoie? Merci madame Dieu directrice. Merci, Mr. Chair. Merci, M. Honorable. Et tout le monde a si vaillé. Un ministère qui il fait premier fois, il donne une directive, il apprend, il ne pas fait encore. Mais il y en a qui il fait une fois, il fait une deuxième fois. Mais overall, il vaillé. Merci. Ça veut dire, merci au côté, merci Honorable André. Merci, Mr. Chair. Dans la même année que l'Honorable Guilin demandait, mon voix dans Strategic Priorities 2018-2020. On mettait qui voulait convert from oversight unit into an authority et on a ouvert la loi pour faire les plus compréhensives. Est-ce qu'ils ont une prend considération pour mettre un penalty ou bien c'était sanction en référence avec ça qui le Noab Guilin demande? Merci. Madame directeur. Merci, Mr. Chair. Merci, Monsieur Noab, pour question. Oui. Pour le moment, nous devons procéder, nous commençons l'exercice pour nous revoir nous, la loi. Et dans sa révision de la loi, et pendant sa composante, pendant sa transformation, pour nous venir à l'autorité. Et oui, il y a un mécanisme pour mettre en place dans sa révision de la loi, pour précisément pour dire avec sa bonne issue que le ministère fait procurement après demande approval. Merci. Honorable Vidot. Merci, Monsieur Chair. Ma question, il parle pour le ministre ou bien CEO. David, c'est l'Assemblée nationale bon matin. Nous entendons que 750 000 roupies, l'argent de taxpayers, ils payent la coupe sans contrat pour l'année 2017. Est-ce que ça paiement illégal ou bien non? Et si vous êtes capable d'élaborer un petit peu les autres stratégies pour 2018 pour qu'ils puissent passer si ça a un contrat illégal? Ben quelque chose pareil, pas répété, à cause mon noir des autres de page 179, des autres stratégies, des autres indices, des autres undertaking, un unit pour être capable de revoir un petit peu le travail oversight, sur le cas élaborer l'eau là tout. Merci. Vos questions, PAL vers Procurement Oversight Unit. Yes, Director Degas. Que fois, M. Chair, ou peut-être spécifiquement, par exemple, la discussion contrat qui nous discutait bon matin ou soir? Ça y vient comme un exemple. Si vous pouvez dire contrat pour l'Assemblée ou? Oui, ça a contrat okay. Qui il n'a pas un contrat 2017 à cause, d'après l'information, il supposait 2015 pour 2016. Mais nous comprenons de bon matin là qui 750 000 roupies est payé à travers sa la compagnie.
présent nous non vu qu'on est si ça illégal vu qu'il n'a pas un contrat présent pour PC qui ban quelque chose comme ça y arrive encore est-ce qui dans notre stratégie 2018 là qu'ils ont été mettez dans livre l'opage 179 force un petit peu dit nous clair si qui m'a hier opé notre rôle pour être pauvre ou voici ban quelque chose pareil mais et peut-être premièrement ce pièce paye devrait répondre c'est une souci là bon matin pour ça pour une balcote directeur ou bien moins que les directeurs répondent si on connaît le quoi nous peut causer. Merci, Mr. Chair. This was the qui nous mentionnait bon matin, qui par exemple dans un particular case qui n'a pas arrivé la façon qu'il gagne fait à cause. Nous partons au courant si c'est un direct bidding à cause par exemple, Ms. Dugas inexpliqué qu'il y a différentes méthodes pour procurement. Il y en a qui a open tender, il y en a qui a direct bidding, il y en a qui a selective. So, sans même ça qui nous dit bon, nous mentionnons bon matin pour nous voir si tu en as, à cause de nos courants, tu n'as pas open tender. C'est moi pour nous regarder si tu en as direct bidding. Contrat aussi, nous va regarder. Mais que fois, il y a trois autres qui m'ont mis du gaz, si nous mentionnons, nous pouvons revoir la loi procurement en entier. Et nous pouvons faire si, qui, at least, procurement, il y a une authority, at least, il y a une sanction. Dans son la loi qui est capable de mordre un peu en mettant sa banque qui s'est arrivé. Ça qui nous peut travailler là. Puis, est-ce que ça y a une relation avec ça qui est le leader de l'opposition qui demande bon matin? Est-ce qu'il nous peut gagner un timeline ou peut-être nous demain pour donner nos informations? Oui, nous pouvons avoir l'information pour demain. Merci, honorable Komamo. Oui, dans sa même année, c'est sa raison, moi tu poses sa question bon matin. N'a pas un contrat? Un paiement, ça grosse, c'est une grande faire. Et pas l'Assemblée qui le fait. Ministère Finance, c'est ça qui besoin clair ça. Qui m'a dit, zotine fait, si zotine fait, sans un contrat. Ça qui m'a motivé, c'est demander bon matin, qui m'a dit envie un éclaircissement. Merci. Ben là, ça qui, on a vu d'autres demander, il peut demander si ça est légal. Oui. Si, après aussi, mon deuxième aussi, pas tu qu'on répond. Oui, PS. Non, merci, Mr. Chair, merci, Honorable. This was the key, je crois, spécifiquement, l'étant DG, administration, tu mentionnais, qui y a un barcode National Assembly, qui s'appelle Paiement, qui a fait. Et tu as un contrat spécifique qui te dit. C'est mon contrat, la façon, sa provision de sa contrat, qui m'a une copie bon matin, il dit qu'il a besoin de payer. Un seul coût, ça 750 000 roupies. Mais tandis que l'étant roi properly, ça dit qu'on a besoin de travail, il est capable de payer one third of it, le premier quarter. Il travaille, après, si vous vérifiez, il travaille, le second quarter, il paye le next morceau. Mais l'étant nous voit, puis la discussion, il tout ça semble payer un seul coût. Ça veut dire, ça coupe dit, nous, c'est un contrat illégal, mais the practice. Contrat bâti ne devrait faire comme ça. Oui, the clause, yes. Mais okay. C'est moi-même qui nous peut répondre okay. À mon document pour nous voir en totalité qu'il faut avoir un report back. On aura vu d'autres. Yes. Monsieur Chair, on a un contrat au PS. On a dit sa clause. Mais sa contrat est valide 2015 à 2016. Paiement, il fait 2017. Ça qui nous gagne dit, vous voulez, comme si éclair si illégal ou bien non. À quoi nous pas souhaiter, mais les autres organisations aussi fait pareil encore. Vous comprenez? C'est quand même à qui m'en les. Monsieur Chair, qu'il faut demain avoir toutes les formations. Même sans information. Qu'il faut nous pouvons discuter without the proper information. Et puis il y en a l'autre information qui. Directeur Dugas. Merci, Mr. Chair. Merci, honorable. Le côté stratégique, pour moi, je te parle, PSND, l'état de procédure, nous pouvons revoir la loi, nous prenons un bon mécanisme qui nous met en place, qui va créer un procès, nous pouvons boost vers une autorité, nous prenons un bon mécanisme en place qui nous permettait pour nous, justement, pour s'y en paix, ça va une malpractice arriver. Nous pouvons, premièrement, nous pouvons strengthen nous. Inspectorate unit pour lui aller peu plus dans son bon analyse qui fait l'inspection. À cause pour le moment qui m'a inspectorate unit son fonctionnement, il y a des
document l'état infini, normalement infini, pour lui get sa procédure. Mais peut-être nous revoir là, peut-être nous va sans être la façon qu'il fait son inspection, peut-être va l'avant, ou bien mid, l'état peut faire sa tende pour faire si, qui contraille en place, procédure en place, dispompis. Ça va être practice avec un futur. Merci. Merci. Pièce, le temps, c'est pour apprécier mémoire. Le temps, nous pouvons ça, mais l'information coupée en main. Demain, on peut aussi amener ça qui, honorable, dit de l'opposition, si demander le ça délicieux, là. Même comme si c'est une relation entre ça. C'est ça? On bien comprend ça pour matin, l'honorable opposition? Mr. Speaker, ça va bon si il amène ça aussi tout. Parce que ça pour montrer qu'il peut dire non. Ça me là, oui, Gao, il apparaît dans Silicious, après ça, il apparaît dans contrat Time Point, je ne sais pas qui c'est ça, ça l'accompagnant qui tu peux faire, qui tu peux faire, comme ça va montrer ça okay, lien, all right. Et avec former speaker. Merci. Ok, bon, moi tu peux dire ça, envie de clarifier ça, sorry, it's Silicious. Silicious, ok, merci. Honorable Ferrari. Merci, Monsieur Speaker. Des petites questions, s'il vous plaît. Monta, c'est pour tous les deux CEOs. Il y en a, ça l'en est, il y en a plusieurs contrats qui n'ont pas implémenté sur tout Capital Projects. Et il y a des esquisses qui sont dans le ministère, dans les agences, dans le département, il y en a ce qui est processé slow. Est-ce qu'ils justifient ça commentaire ou bien est-ce qu'ils sont satisfaits qu'ils peuvent faire quelque chose assez vite que possible? Mon deuxième point. L'année passée, nous avons une question de extra works. Nous avons beaucoup contacté. C'est là qui pour vivre les extra works. So, si l'Assemblée vous dit qu'ils ont en place un système qui peut quitter vraiment très proche de bon extra works après qu'ils mènent un contrat infiniment alloqué. Et moi, je crois que l'Assemblée a vraiment apprécié qu'on ait. As opposed to the total amount of contracts tendered out, what is the percentage of extra work? Because il besoin a certain limit lo sa. Et finalement, ça c'est surtout pour procurement oversight unit. Dis-nous si tu as une capacité within your organization, ou est-ce qu'il peut lier avec aucun autre agence nationale ou bien internationale? Pour faire ainsi qui nous peut gagner bonne commodité pareil les médicaments la banque sur moi at the best price and you are not relying just on those people who are doing the bidding but you know je t'en ai certaine connaissance combien un panadol normalement ils vendent le international market pour qu'ils puissent réaliser ce lot bon bidders. Merci. Directeur Nancy, avec sa deuxième question est vraiment intéressant cause on entend souvent une fois cost overruns, souvent fois il y a presque la moitié ça qui entende. Peut-être Claire si nous le savons la deuxième question avant d'aller au premier et troisième, s'il vous plaît. Merci, Mr. Chair. Merci, nous avons pour question. Pareil, Mr. Chair, nous avons pour un bon premier après Ms. Jukansate the remaining. Mon quoi même si mon parle l'autre deuxième question peut-être ça plus bon mon commence le premier à cause du sort of link ça la réponse. Go ahead. Pareil on mentionne qui beaucoup l'organisation quand on mentionne ça issue of delays. Sous pouvez de nos annual report qui nous fait l'assemblée gagne un copie. Et quelque chose, moi, j'ai dit ça earlier this year, et nous qu'on peut faire face à ça issue, qui peut créer beaucoup de délais, c'est ça manquement planification. OK? Par exemple, dit, la réponse pour monsieur, pour honorable Pile, initially, une quantité wall tender process, il relies avec l'organisation lui-même, ministère. Faudrait ou project section ou procurement section est strong pour être capable de take up tout bon steps qu'il y en a pour follow. À cause POU est comme un regulatory, is this comme un watchdog, un guidance, mais c'est the bulk of it is from the ministries. So, un quelque chose qui nous peut observer, c'est sa manquement planification, il peut spill into. Pareil, on dit variation et into delays of project. Il y en a l'instance quand on a contracté, même il vient, il peut complaindre et bien aucun gagné pour le tender avec.
Et je sais que il manque quelque chose là-dedans. Il y a quand tu es en mission, les temps de faire site visit, je dois vous dire quand tu es manqué. Et what do you have to do? Extend the call. Faire addendum, donne plus les temps, donne un nouveau document. So, les temps y aller. Et les temps ou document aussi, il passe concise. Les temps viennent côté évaluation. Est-ce que vous mettez tous les critères bien dans le document? Ou est-ce que les temps peuvent évaluer? Présent, vous dites, ah! On a dit plutôt nous include ça et que là ben l'autorité qui peut approuver pour dire non you need to go back redo your revaluation à cause il pas d'après ou document contende so tout ça là il sort of ben difficulté qui procurement system lui même il fait face avec qui en d'autres mots il result de sa ben delays. OK, par nous dit par je content dire mais que faut contende bordier dans sa back and forth moi quoi tout ça là il aider pour poser pas gagner à prouver, oui. Mais c'est moi si tout quelque chose est en ordre, within a week, l'état passe devant bord, tout quelque chose est en ordre, il gagne à prouver there and then, et je suis capable de procéder. Pareillement, quand on a un peu, le côté extra works, encore, il y a un défi qui nous peut faire face avec, mais c'est moi qui nous fait more and more, avant peut-être nous tient un peu plus random, le bon claim variation qui nous a respecté. Nowadays, 99% of the requests for variation. Si un ministère peut envoyer un request variation code board, il connaît, il peut payer approval on the spot à cause nous pour refer code inspectorate unit, nous pour demander site visit, nous pour demander à checker si sa claim qui peut gagner fait est justifiable. Et bon, rates qui sa contracté, il met à quoi beaucoup de fois sa variation, il peut sa contracté qui on site. So, est-ce que bon rate qui peut gagner mette est viable? Et from then on, là, si rapport qui vient, bon findings, il positive, il gets approved. If not, s'il y a un élément qui nous a trop haut, nous pouvons faire le rego back. D'après rapport inspectorate unit, retravailler là et come back with a proper report. Pour pourcentage extra work, I'm afraid mon puna pas avec moi là, mais c'est moi can always give to PS Finance pour circulate to the members. Merci. OK. On a des commandements. Il y en a quoi? Oh, sorry, directeur Dugas, sorry, ou tu parles pour. Merci, Mr. Chair, merci Laura pour question. Pour répondre aux questions, pour le moment, capacité nous en a, mais c'est illimité. On a un inspectorat qui, pour le moment, analyse 4 staff, et il y a une grosse fonction pour les faire. Et nous croyons, c'est moi nous sentons que sa capacité qui est bonne staff, nous sommes capables de faire ça, nous sommes capables de faire pour maintenir quelque chose en ordre. Mais c'est moi pour nous capables de servir nos responsabilités plus bien, plus effectives, définitivement plus de ressources demandées. Merci. Dernière question, honorable Rom Kalawan. Merci beaucoup, Mr. Chairman. Mr. Chairman, moi, j'ai envie de demander si les dans autres pays réforment autre la loi, sa section 3NB, avec défense là, qui, même les temps FPS, ils peuvent faire son travail, et même dans nos investigations, le FIU avec NDA, nous avons découvert qu'il vous dit ça comme si il venait la porte qui trop gagne servi et est prone to abuse. Est-ce qu'ils ont pour aussi sans sa section? Pour ça le 170 page 179 moi qui vous dit the bon challenges et mon content qu'ils ont pris nos mains qui tous les deux ça two main challenges pour prendre lui en considération. Sa bonne qui pas comply avec the act et sa bonne qui zot fini faire après zot comme si zot sa bonne instance qui fait zot process perdit significance. Mais justement dans salani est-ce qui zot peut suivre bien sa bonne possède qui sa bonne entities y servi? Parce qu'il ressemble qu'il parfois il y en a sa bonne là qui peut demander pour un procurement pour un tender après ça autres même autres connaît pas qui peut passer et autres en l'influence les dans sa consultation et je trouve je senti qu'il peut dire il y en a
l'injustice. Est-ce que ça aussi tout pour gagner adresser dans sa processus réforme? Et peut-être cette dernière, les temps autres causes en termes de pénalty, de sanction, est-ce que dans toute la loi, ça va capable aussi pour nous empêcher qu'il y en a sans espèce de corruption, qui non seulement qui sont une entité qui nous donne un contrat sans un tender qui gagne sanctionné, mais qui sa contracteur ou bien ça ou elle appelle un contracteur qui lit il gagne ça il prend sa contrat en full connaissant qui vous dit tu n'as pas contrat qui tous les deux côtés il gagne met en bas sanction pour qui une fois pour tout nous va capable suivre et si mon père ça bon point Mr. Chairman c'est parce que c'est principalement ça bon point qu'il est en FPSIP deal avec côte noire quelque chose il en désordre et mon dernier qui est arrivé dans bonne instance côte ministre finance il donnait l'ordre qu'il faudrait y en a un tender pour quelque activité et là mon nom spécifiquement l'Union la digue il y en a un restaurant qui nous ouvert qui ministre finance il dit faudrait y en a un tender mais board l'Union estate zot pas ministre zot met derrière la ligne comme dit speaker zot envoie ministre faire fiche et qui arrive dans la bonne instance et est-ce qu'ils ont entré là-dedans pour faire aucun quelque chose ou bien quelque chose déroulé et ça comme si on avait une espèce lana assis dans nos systèmes. Merci beaucoup. Directeur. Merci Mr. Chair, merci honorable pour question. Pour première question, la question section 3 qui opère follow exemptions. Oui, nous avons ça bonne chose, c'est tout ça des organisations qui beaucoup fois les travaillent contre nous. Nous avons des difficultés même avant nous donner exemptions. Nous pas il bon mon cas il fait que nous pas donner ça exemption automatiquement. C'est une bonne formalité, bonne question qui nous demande qui beaucoup fois les formations pas gagner donner pour raison sécurité, nous pas gagner nous besoin donner ça exemption. Mais c'est bon nous voir qui veut aussi il possible qu'il y en a la bille dans sa section et effectivement il y a section qui nous travaille là pour nous revivre et effectivement il pour gagner sans complètement et ça de et bonne organisation pas poser ce exemption automatiquement pendant cette procédure qui peut besoin gagner faire même avant il gagne sa exemption et pour clair le temps pour sortir de révision la loi. OK et pour deuxième question concernant penalty dans nous la loi pour le moment pas été il y en a certains penalty qui existait si un ministère ou bien contacte il fait l'offense mais c'est mon point raison le ministère pas tant pour servir mais c'est pour l'année 2018 avec le revue de nous la loi oui pour un an nous pour renforcer le sa pénalité pour même nous pour amender un petit morceau pour donner un peu plus les deux paris nous dit qui même sa contacte aussi bien que sa ministère si nous dans l'estos l'inspecteur nous fait son analyse si ils sont guilty et pour un pénalité qui peut appliquer pour tous les parties. Okay. Et pour question, dernière question, on va parler de PS. Il y a pas réponse à une. Merci. PS Payette. Merci, Mr. Chair. Merci, Noab. J'espère que nous connaissons qu'il y a une public enterprise qui pas tombe en bas procurement pour le moment. Et ça, c'est un maquis sans moi aussi, nous envie emmener pour faire ainsi qui adlisse tout public enterprise. Il tombe en bas procurement laws qui existaient. Mais cependant, par exemple, spécifique le sa case, qui ministère financier a fait, nous a refait sa case avec procurement oversight unit pour autres investigate proper et voir avec board rational à cause qu'ils autres qu'il faut pas écouter l'institution définitivement qu'il faut des boards ou autres quoi qui zot soupassi di
approval from the minister. Mais cependant, il est capable d'une investigation qui un procurement oversight unit qui a fait de sa case. Le directeur Nancy? Oh, sorry, Minister Lawol, sorry. Merci, Monsieur Chair. Je crois que l'honorable M. Kalawan a fait un point très valable et je suis fully agree avec ce qu'elle dit parce que je suis sorti un standard international et là, il fait un mazien World Bank. Quand il y a quelque chose de mauvaise pratique qui passe dans les affaires tender, collision, contractaire, naturellement, il y a une publication qui est sur le website. Ce bon contracteur, il est pénalisé. The whole world is aware of ce bon disbad of these contractors. Il est pénalisé d'une certaine façon pour prevent collusion avec corruption. Et ça, je crois, comme on peut remarquer, il y a une weakness dans la loi et là, nous pour réformer la loi, nous devons prendre ça en compte. Je crois que c'est un point très valable. Et moi, je supporte l'honorable M. Kalawan pour sa point qu'il levé. Merci beaucoup. Merci, ministre. Pareil, je m'en toujours dit, nous avons l'espoir, nous avons arrivé. PS, est-ce qu'il nous capable de prendre un vote là, tous les deux présents, Procurement Oversight Unit, l'OPAS 179, 7.710 million, et après National Tender Board, l'OPAS 185, 3.393 million. Est-ce qu'il nous capable de prendre ça des votes? Oui, Monsieur Chair, c'est moi qui vais prendre un vote séparément. Pour ça. Séparément. Bon. Oui. Tout le monde qui pour s'abîmer Procurement Oversight Unit, 7.710 million, lève-vous de la main. Clark. Monsieur Chair, merci. 24, maman faveur, personne compte. Merci. N'a pas personne compte. Ça veut dire qu'il bidze pour Procurement Oversight Unit, Ms. Jigas, Director, your budget is approved. Anubuz Lopez, 185, pour National Tender Board, 3.393 million. Tout le monde qui pour, lève-vous de la main. Ce chien, merci. 24 membres en faveur et personne compte. 24 membres en faveur, ça veut dire directeur Nancy ou Bidze, il a approuvé pour National Tender Board. Je crois que ministre, sorry, honorable Ram Kalawan, oui. Mr. Chairman, sorry, mon interrompu. PS Payet, il mentionne une investigation. Il peut refaire sa case. Est-ce qu'il est capable de gagner un time frame, s'il vous plaît? Pour nous capables de faire la digue. Yes, c'est la digue. Yes. Merci, Mr. Chair. Merci, honorable. Une semaine. Good. Very good. Thank you. Action. Good. Et avec ça, je suis content de remercier Sade, directeur, Miss Annie Dugas avec Miss Marinella Nancy, pour tous les temps et les autres collègues qui viennent ici. Nous souhaitons tout de bon à cause nous connaissons qu'ils ont un rôle important pour jouer dans la lutte contre la corruption dans ce pays, dans n'importe la forme qu'ils prennent. Alors nous souhaitons tout courage, il y a un peu bonheur pour moi, souhaitons joyeux Noël. Nous avons ce qu'ils la prison. Et avec ça, nous demandons parliamentary reporter pour appel bon professionnel, soit Seychelles Revenue Commission. Seychelles Revenue Commission, il opasse 168 to 178. Thank you.
ministre, ça nous excuse. Ou bien, on peut demander pour excuser, non? On fait un petit statement, all right. Mais avant, on fait un statement, un petit moment. Moi, je suis autres la bienvenue, comme dit vous-même. Vous pouvez faire un peu quelque chose de bien. Moi, avec nos bons collègues, mon bon collègue dans l'Assemblée, nous sommes contents de souhaiter la bienvenue. Commissioner Catherine, Monsieur Ronald Catherine, est nouveau commissioner pour Seychelles Revenue Commission. So, deputy commissioner is Monsieur Fred Morel. Et nous avons Mme Fanchette, qui est assistant commissioner pour domestic tax. Nous avons Mme Pearl Nalitambi, qui est financial controller. Et puis, évidemment, nous avons Ms. Aniel Desaubin, senior accountant. Et peut-être, il y a aussi un moment pour nous, comme l'Assemblée, pour féliciter M. Catherine comme commissioner SRC. L'année passée, pendant le budget, nous avons cassé des balles au SRC. Et mon croix, ça l'étant, M. Catherine, si peut enjoy the winter climbs in Washington, mais là, ça l'en est avec nous. Alors, félicitations et bienvenue. Avec ça, je donne la parole à Dr. Larose pour faire un petit prononcement. Merci beaucoup, Monsieur Chairman. Monsieur Chairman, leader de l'opposition, l'honorable Ram Kalawan, leader government business, l'honorable Dikuma Amon, tout membre de l'Assemblée dans nos house cet après-midi et tout le monde à l'écoute. Monsieur Chairman, mon désir donne un engagement et mon répété après-midi, encore une fois, le média social et national. Les efforts pour collecter taxes avec tout taxpayer et priorité, ministère Finances, Commerce et Planification économique, à travers Seychelles Revenue Commission, qui nous connaît comme SRC. SRC est une organisation très importante pour administrer système taxe et collecter revenus national. Monsieur Chairman, nos pays pas capable de fonctionner si taxpayer est continuellement engagé dans toute fausse manœuvre pour ne pas payer taxes qu'ils ont droit. Il y a l'obligation de tout travailleur et business pour faire cette contribution d'après que la loi y demande. Mon adresse s'assise à taxes qui est ainsi administrée comme suivant. Premièrement, taxe qui due comme elle est là, SAC peut renforcer son système informatique, enforcement, administration, côté peut donner plus attention et mettre des efforts aux collections taxes qui due. Sa stratégie, c'est pour empêcher qui taxe pavine en aïraz, pareil nous expérimentons dans l'histoire l'année passée. Deuxièmement, nos statements, l'OSACISE SAC comme ça. Ministère Finances y en discussion avec un team forensic auditor sud-africain, bon, pas pour mentionner le nom, sa firme, auditors, pour faire l'audit complet taxe aïraz. Nous en négociation avec sa team auditeur pour amener 10 auditeurs. Monsieur Chairman, peut-être un membre honorable a demandé à cause 10 auditeurs. Réponse est simple. 6 auditeurs pour travailler en parallèle, le support à cause d'un endroit très stratégique et là, majoritairement, transactions, le trade et commerce y traverser l'eau la terre. Et 4 auditeurs pour travailler l'aéroport. Là aussi, une autre station très stratégique. Une fois pour tout, nous avons besoin de mettre nos systèmes taxes en ordre et définir combien de taxes en aïraz nous avons. Background, ça va auditeur est comme ça. 5 auditeurs. Un, spécialisé dans forensic, governance et legal expert. Un autre, forensic audit and investigation. Troisième, forensic accounting and due diligence. Quatrième, forensic investigator. Cinquième, forensic banking and polygraph expert. Qui m'a dit ça passe à polygraph expert, Monsieur Chair? Pour la première fois,
Donc, vous avez un expert qui peut venir ici, l'air, il vous fait son audit, il y a une provision. Si ça va un taxpayer, c'est sur les faire façon, ou donne faux information, il y a à toute discrétion sa taxpayer pour be subject to a polygraph test, qui va dire si peut cause la vérité ou mensonge. Mais ça, c'est pour discrétion. Des auditeurs, spécialisé dans cyber forensic, forensic audit et legal expert. Et l'autre, cyber forensic, physical security and forensic investigator. Et l'autre auditeur, spécialisé dans Asikuda. Asikuda, c'est un système qui m'a croit nous a rencontré beaucoup de problèmes et c'est pour cela que nous avons sa taxe à IRAS. Et ça, du monde, il déjà on a l'audit qu'il fait dans un pays pareil comme en Nigeria et les autres pays d'Afrique. Un auditeur spécialisé dans physical security expert. Un autre auditeur organizational design expert. Monsieur Chairman, je voulais faire remarquer que pour la première fois, un tel exercice pour qu'on fait dans nos pays. Moi, j'ai préféré choisir auditeur Cécilois pour compléter son travail. Mais l'exercice est très sophistiqué et il a besoin d'auditeur spécialisé. Bon, les confirmer, côté que nous arrivons, la discussion a commencé en mars 2017. Peut-être qu'il faudra demander à cause de tout ça le temps. Là, on peut faire une négociation comme ça, qui la première fois nous peut expérimenter. Tellement il y en a expert, chacun il y en a son l'occupation de différents compagnons qui ont pu faire sa bonne audit pour mettre tout ensemble. Alors ils demandent un moment approprié et après tout, pareil nous peut discuter. Nous besoin d'un contrat qui définit qui qualité de travail qui nous l'est et puis nous besoin naturellement passe au procurement board. Nous avons besoin, c'est sur les gains legal opinion, nous ne sommes pas capables de s'entrer dans un contrat comme ça en bon avenir. Si nous pouvons causer la justice, nous pouvons causer la transparence, nos ministères des Finances, nous avons besoin de lead en les loss affront. Monsieur Chairman, chef auditeur ou chef mission, tu viens de CCL pour collecter un peu l'information pendant sa l'année. Un contrat, il des agents modifié pour refléter le travail qui nous voulons accomplir d'après nos expectations. Le temps pour compléter ce travail est estimé pour prendre un minimum de 2 mois. Nous avons besoin de road legal opinion avec nos legal advisors. Nous avons besoin aussi de passer par le monde à travers le procurement board. Prix qui s'accompagne estimé pour coûter, là, on dit très clair, 570 345 euros. Ça, il y a que les transports, legal fees, effet, withholding tax, qui est important, si vous pouvez faire ce travail dans nos pays, vous payez 15%, et ça, il supposé arrive 58 320 euros. Monsieur Chairman, envie qui ça aussi qui forme par commitment qui m'ont dit donné dans un budget speech alors m'ont profité cet après-midi là on peut discuter dans le contexte SAC qui m'ont fait sa déclaration. Monsieur Chairman, m'ont souhaité que demain nous pendant continuation alors côté concerne budget nos ministères et la différence commitment qui m'ont fait m'en va aller demain. Merci beaucoup, M. Chairman. Merci, Dr. Larose. C'est vraiment la bonne nouvelle. Je crois qu'il donne beaucoup d'encouragement. Où tu fais un commitment et où tu délivres et où tu peux délivrer le commitment. En effet, il est vrai qu'il y a quelque chose spécialisé comme ça. On a tout à fait raison. Nous avons besoin de ça qui est capable. Ça qui est étranger, si nous n'avons pas contre nous, et nous besoin payer pour venir nous gagner résultat.
C'est ça qui nous peut aider. Avec ça, moi, j'ai assurté encore avec Pierre Spayet qui là nous peut prendre Seychelles Revenue Commission. Pierre? Oui, Mr. Chair. Et nous commençons le page 168 with this Seychelles Revenue Commission. Tout le monde qui l'est causé, intervenu, lève de la main et Clark, et Deputy Clark, apprend. Non. Merci, M. Chair. Le côté parti de l'équipe, honorable Charles Comamon, honorable Sébastien Pillet, honorable Audrey Vidot et honorable Churchill Gill. Merci. Député Clark. Merci, M. Chair. Le côté LDS, honorable Mkanawan, honorable Georges, honorable Ferrari, honorable Adélaïde, honorable Wawab et honorable André. Merci. Merci. Nous allons directement, Sabriaz, nous commence côté droite, côté gauche, mon côté gauche, honorable Georges. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair. Mon cher content, avec vos permissions, commence la déclaration ministre. Nous comprenons très bien qu'il est capable de faire entrer les taxes, nous avons besoin de monde professionnel, et si nous n'avons pas ici, nous avons besoin de road dehors, tout au moins pour un commencement. Les montants de ça, des fois, moi, un petit peu peur à cause NDA avec FIU, c'est comme ça même qu'ils ont commencé. Nous n'avons pas capacité, nous n'avons pas compétence, alors nous allons mettre ça dans la main du monde dehors et nous connaissons qui les conséquences inarrivées. Mon cher content, ministre, as a preliminary point, qui est au racisement qui nous pas payer dans sa même sa direction, dans sa haine cas. Je dis ça avant qu'il m'arrive mon question, la question staffing, la question du monde qui pour travailler, pour faire entrer les taxes, qui, sa bande du monde, il a besoin de confidence et confiance taxpayer. Et mon devoir est de dire que, dans mon expérience, tout en félicitant bon travailleur SRC qui m'ont interface avec récemment pour son travail exceptionnel qu'ils ont fait, et mon cause le niveau personnel et aussi le niveau bon client qui m'ont représenté, il y en a de temps en temps. Et mon sorry pour dire qu'un des bons experts étrangers qui m'ont ses mains croisées, il peut montrer sa compétence qui m'ont va souhaiter voir. Alors, ou déclaration qui m'ont croyé dans une bonne direction, rassurez-moi s'il vous plaît, qui nous prenons du monde qui est compétent et nous prenons du monde qui n'est pas pour faire un travail qui est pour counterproductive. Quand vous pour travailler bien avec le taxpayer, dans une façon que vous prenez trust sa taxpayer pour qu'il soit capable d'entrer. Mon question dans sa même la ligne, c'est, et le même point, à part en même temps, qu'est-ce qu'il nous peut faire pour staff retention? Le niveau customs, c'est tout, mais aussi le niveau SAC en général. Est-ce qu'ils ont imaginé la possibilité qu'ils m'ont dit, ciseré l'année passée, qui pour retirer corruption, s'il y en a, ou bien tentation, qui nous raise salaire saban du monde qui peut travailler dans SAC et même envisage un système pourcentage les autres collections
qui me connaît, il pas une idée qui pour universellement acceptable, mais qui quelquefois il y va emmène beaucoup plus l'argent dans nos systèmes et aider pour counteract sa backlog qui nous en a. Dès les autres questions plus pertinentes, NC, moi prendre qui bureau ban customs officers qui t'y côté airport cargo une présent bousé une vin Docklands et sa bureau là-bas en l'air encore vide et un rent assez significant pour gagner payer l'osa nouveau bureau. Moi ça souhaite un éclaircissement là. Et deuxièmement, est-ce qu'il y en a aucune manœuvre qui peut gagner faire, aucun thinking qui peut gagner mettre en place le niveau excise duty l'eau l'alcool dans une façon pour réduire si tout consommation ban l'alcool qui est produit ici Cécile à un pourcentage bas et dans un packaging qui tente zénès pour boire et qui pas bon pour la santé beaucoup de monde. Merci, Mr. Speaker, Mr. Chairman, pour l'indulgence. Peut-être le ministre va répondre avant pour que le commissaire Cafroini réponde. Merci beaucoup, Mr. Chairman. Merci beaucoup, l'honorable Zoz. Je crois qu'on a rien mené à connaître sa question. Si mon mémoire est bonne, vous avez mené l'année passée. Et envie qu'on mentionne FIU, NDA. Je crois qu'il y a encore frais dans mon mémoire et moi, mon philosophie comme ça. Once bitten, twice smart. Non pas shy, smart. Et moi, pour moi, si vous regardez là, vous ne pouvez pas voir l'équipage, les first officers, c'est les Cécilois. Mon préférence pour Cécilois. Mais pour retourner aux questions qu'on dit, en vis à l'expérience avec Saban Irish. Moi, je ne suis pas content de la main Cécile, qui Saban dit qu'il fait nous paix et puis pas délivré. Moi, pour moi, mon préférence, c'est Cécile en premier. Mais si par hasard, temporairement, nous n'avons pas Cécile qualifié, nous avons besoin d'être à l'extérieur, mais temporaire, avec un bi pour faire ci, qui nous capable. Amène nous ces lois on board. Mais au deuxième question quand on pose moi on dit mais qui nous peut imaginer in terms of forward thinking pour capable si la tentation parce que c'est sur les SAC et customs c'est là nos major cash box pays et là nous peut étudier nous peut moderniser un PSAC avec customs pour tirer la tentation et là nous besoin incentivize man staff from top to the one that cleans the floor et ça pour moi il y avait donné nous ces lois l'encouragement et il a fait ici parce que ces lois nous une nation patriotique pas et beaucoup nation y était mais si on regarde dans notre welfare tellement bien ces lois pour délivrer, je crois, c'est one of the hardest working nations. Et je crois, ça très bientôt, nous va informer qui n'a pas fait et que tout le monde va connaître. Mais moi, encore une fois, pour répéter mon corps, je suis tout confiance dans mon ces lois. Sur dans the right incentive, create the right environment, nous avons délivré. Merci, M. Chairman. Commissioner Catherine Le Docklands. Merci, M. Chairman. Thank you, Honorable, pour la question. Le côté staff retention, certainement, nous, l'objectif, c'est pour ne pas perdre le staff qui nous en a. À cause des aides difficiles pour nous attracter de nouveaux clients. Donc, so, primordial pour nous, c'est nous retenir les banques qui en a. Le côté retenir avec
plus salaire. Well, nous en hope à cause du PNG pour dire by January nous prenons un peu l'indépendance ben nous d'apparaît nous et nous hope que de cette indépendance il capte nous pour nous payer avant de bon package pour ben travailler. Et aussi nous comprenons pour dire il y en a un national review le salaire qui paye gagne faire nous entendez avec l'assemblée et ça aussi donne un peu hope qui na qui sont qui peuvent venir là qui capable aide banti monde qui en dedans pour pas commencer get dehors le côté ti corruption il y en a quand cette façon naturellement que nous capable regarder un homme peut-être le salaire qui bien et nous hope qui a pas comment fait dire là est capable aider après un homme un affaire qui ou dit pourcentage qui le qui fera qu'ils ont collecter ça y a une idée qui monte déjà en un long temps mais comme ça moi j'en ai tout qui aujourd'hui grâce à notre travail je peux découvrir excess goods je peux find dans le monde et à l'argent il y a des budgets gouvernement ça budget ça l'argent certainement pas gagné budget et puis il y a des prochains nous pour find du monde somat nous pour amasser pas combien millions alors quelle fois si nous dit avec staff OK, ministère des finances dit staff, mais OK, on peut get trend fines avec penalty qui on fait dans past 5 years puis amasse 2 millions 1.8 2.3 whatever. Nous dit comme ça un pourcentage inspecteur ou pas amasse 2 millions, ça qui reste un pourcentage pour travailler. Quelle façon de vexer around Salani, il capable peut-être aide d'autres, mais c'est pas à compte aussi. Elle dit on est capable dit mais ça peut faire un ouvrage pour découvrir ça extra good. Ils sont louvoises. Mais seulement, aujourd'hui, quand ils sont louvoises, ils peuvent gagner l'argent de côté, ils peuvent laisser ça passer. So, nous avons tout à fait ensemble qui demain, ils peuvent venir faire staff pour faire pour une espèce comme une motivation pour présenter tout conteneur pour faire moyen pour gagner l'argent pour peut-être bénéficier d'un bonus. So, on peut faire moyen qu'il y en a aussi ban procédure, ban indicateurs qui dit ou pas capable dépense more than so many hours avec un consignment qui peut sortir. Il besoin un mesure qui vous dit staff besoin tous les jours peut travailler so many bills et un conteneur pas capable faire so many days dans port. So ça y deuxième bout. Après corruption obviously capable gagner adresser le côté sous capable tient un peu ben interaction physique qui en a une quantité aujourd'hui ben qu'ils ont qui fait manuel et ça y pour aider pour à cause d'un half face to face il y a ben ça qui arrive et par exemple corruption aussi vient sortir à dehors vient et ben c'est ma femme qui demande et les gars ils font tout après ben procédure qu'elle fait nous regrette li modernise li peut-être un moment plus computerization mon dieu faire mon adresse automation is the way forward. Si nous sommes capables peut-être gagner investissement ministère des finances ensemble ministre une cause un petit peu le côté modernisation si nous sommes capables dans sa idée là dans sa vision à nous dire pour dire modernisation il y a aussi une façon que nous sommes capables de faire corruption de la douane avec dans la taxe. Après l'autre côté c'est get new staff le moment qui intégrer staff il y en a plus sens qui il peut avoir de l'argent de avec tout le monde. Après, pas, il connaît. Si il devait être dans 3 dimons, 2 dimons avec un conteneur, il peut bien vérifier, il peut mettre 10 N à cause, il y a un problème staff. So, again, plus staff, côté nécessaire, il peut aider nous. At the same time, il peut mettre more computerization, you know, moins interaction physique avec les officiers, avec les business community. Et ça pour moi il y a une façon qui oui nous capable de travailler pour nous move forward et ti corruption de la douane avec dans taxe. Merci monsieur speaker. From Port to Docklands. Merci. Le côté Docklands, oui, nous move Docklands, c'est bans officiers qui ti côte Seaport Customs House qui l'entrée, c'est les officiers Risk Management Unit qui aujourd'hui là-dedans.
avant d'être dans Customs House. Ça y a quoi, c'est nous petit Customs House plus pour ben dire qui interagit avec le public. So this management, c'est basically like background people, c'est masse intelligence, c'est et nous identifier risque et target qui va réussir et mais plus travailler contre réussir et ça raison qui nous pour ça dans Docklands et nous aussi une idée mettre nous intelligence avec nous investigation unit que Docklands j'ai encore un peu l'espace so donc custom house pour juste dans la côte du monde qui va interagir avec client. Merci monsieur speaker. Honorable Georges. Brièvement, Mr. Chair, excise de l'alcool. Commissioner. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable. Honorable, ça, pour le moment, il point des affaires côté de policy. So, puis, yes, de mon côté droite, quelquefois, il est capable de répondre à la question. Merci. Yes, Payet. Merci, Mr. Chair. Il y a quelque chose qui nous commence la discussion. Nous avons des trois proposés avec ben la compagnie qui met devant nous, mais c'est nous pour assiser, établir une de ces bonnes options. C'est moi, très aimant là, à mon croix, comme décembre, janvier, nous pouvons entrer un peu plus au fait, faire un peu plus d'analyse. C'est moi, définitivement, il y en a des trois proposés qui viennent devant nous pour nous assiser, analyser. C'est moi, nous pouvons capable concrètement donne un peu de décision là. Merci. Honorable Vidot. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, mon premier question, je vais répondre à travers la question honorable Zoz. Mm-hmm. Mais par contre, mon petit renfort, si peut-être si M. Kafrin est capable de l'occiser un salaire ou bien par augmentation pour bon travailler costume ou bien ça aussi. Peut-être, je connais bien une critique qui est dans le staff qui dit que bonne promotion est venue à travers. Sous pas d'alloy qu'intel ou pas pour gagner. Peut-être si j'ai un strict en place qui pour capable plus bien regarder un petit peu le côté commitment sa bonne staff envers au travail, aux discipline, aux engagement pour capable voir des places 10 10 dit mon dehors pour imposer autre capable donner staff qui peut bien délivrer promotion. Et après, peut-être ça l'autre place où tu as capable d'advertiser pour un pouce. Commissioner Kafrin. Merci, M. le Speaker. Merci, honorable. Le côté promotion qui a été recommandé, mais donné par higher authority, directeur, il n'est pas possible aujourd'hui. Pour faire ça. Dans le passé, même avec le système qui est en place et qui est pillé, vous êtes capable de faire après elle, pour promouvoir ça du monde, pour prendre sa position. Et là, nous avons un système qui est un petit peu unique. Nous faisons une rotation. Rotation, il est fait pour build la capacité de staff. À cause que samedi, il partout. So on a exercise, on a document check, on a vérification, on a bonds, on a airport, on a terminal. So que nous t'y fait mon manzine, it was 2010. Nous dit pour nous en plus ça a fait à cause aujourd'hui ça avec un signapillé là de la section ça dit mon qui là ça joue. Ça les temps, ils gagnent. À comme tu vois, il y a un débalancement dans la capacité. Et il y en a des gens qui disent, il y en a 5 secondes, puis qu'on a ça en premier en l'air, 5 troisième, puis qu'on a ça en l'air, à cause de moi, il y a des états avant, tu peux mal fonctionner. Donc nous disons, si il y a un position ouvert aux autres, dans le salon, nous disons, pour terminal. Il ne peut pas dire, pour dire, ça supervisor qui là, pour gagner à cause de sa position, il pour manager là. Ça, il gagne. Comme si il advertise internally et tout le monde qui croit capable de la position il advertise il bid for it.
À des simples temps, aujourd'hui, qui nous fait extender le tout. So, il n'est pas possible pour dire ça, pour ça, du monde qui dans un endroit, pour promouvoir ça, du monde qui là à cause de son ami. So, à cause qu'il fait la rotation, si vous passez partout, là vous passez partout, dans toute une section, vous avez un beau jour, un job ouvert dans sa section. Then everybody part est capable d'apply. Dans les passés, c'est juste ça, du monde qui est là, qui est capable, à cause de les passés qui arrivent. Je suis capable de transférer sur le côté social services. Je viens d'entrer dans la douane. Je fais 6 mois là, 1 an. Après, les affaires, ils ouvrent par là au moins. Ça dit, mon qui peut aller, recommandement, il m'a gagné sa louvoise. Tout dit, mon cher collègue, à cause du Bissan, fait venir 2 ans, il prenait compte customs, qui peut arriver. So, nous disons, on fait les transparents. Nous faisons 10 mounes partout, appeler pour sa job. So, ça y est un petit peu mon explication. Je ne sais pas si le député est capable d'ajouter. Merci. Honorable Adelaide. Merci, M. Chair. Bon après-midi à tous. Ministre avec panel, mon nom, deux petites questions. Mon premier, c'est le page 169. Non, ça, Strategic Priorities 2018 et 2020. Improve detection and extinction of all forms of tax evasion and smuggling. Mon premier panel, Vicky, nous connaît pour dire dans des monde qui nous désagréent, nous déjà au courant qu'ils ont de la taxe. Est-ce que la loi puis m'a disparu pour tout un groupe de monde? À cause mon comprend pour dire la banque qui peut demander pour les particuliers et la banque qui peut être étranglée pour payer les taxes. Est-ce qu'ils nous sont capables de laisser la loi pour tout le monde pour abide? Mon deuxième petite question, c'est le côté Internet avec IT Equipment. On les connaît si Social Revenue Commission, notre website, et Azure, et du public qui a pas gagné l'information Azure avec le ben développement qui va arriver. Et mon troisième petit point, c'est nous entendons le ministre dire que nous pouvons faire venir 10 expats, le côté ben domaine forensique. Est-ce qu'il nous peut faire, nous peut dans sa budget peut-être dans l'argent qui nous peut tuer nous ces lois, qui nous peut empower les autres avec peut-être bonne carrière dans forensic field pour qu'ils soient capables de travailler avec Social Revenue Commission. La place qui est en gagner l'argent, c'est sa bonne loi gagner l'argent. Merci. Des questions, Commissioner Kafouine, mais quoi, troisième question, ministre, nous répondons à l'heure. Commissioner Kafouine. Merci, M. Chairman. Merci, honorable. Allô, question intelligence. Vous connaissez le côté la douane, côté taxe, une chose qui nous peut avoir follow là, c'est le besoin de ce qu'on appelle un risk-based approach. À cause, obviously, quelque chose qui peut rentrer. Si vous voulez faire otherwise, vous pouvez être par tout consignment, par tout passage qui est entré. Et finalement, vous êtes sous le petit gain. Et ça, deuxièmement, il n'est pas international norme à tout. Si vous avez servi l'intelligence, en masse intelligence, en masse risque, documents d'autres, mesures d'autres, medium, high, low, pour les qui vous targetent aux ressources. Côté coup, quoi, il y a plus de risques. À cause, ça sent, là où vous pouvez target mal à propos, avant qu'il y ait un risque qui passe, nous connaissons qui est arrivé. Donc, nous perdons des taxes, et so on et so forth. So, nous pouvons dire tous les jours, et ça y est, un top norme qui part, tout peut dire nous, spécialement si vous ressources limitées, servir aux ressources. Avec un risk-based approach pour qu'à target que tout bon risque était plus bien et présent avec une petite ressource pour qu'à masse liste taxe au mieux target bonne question pour qu'on ne passe pas d'entrer dans le pays au mieux bonne taxpayer pour qu'on ait ça et bonne high risk taxpayers. Je ne sais pas si mon député Chile avec permission, monsieur le speaker. Oui, go ahead, député.
Ministre Petit, pour vous capable d'ajouter sa question si vous traînez ces lois, son dernière question, si vous avez training ces lois avec les temps versus les temps. Député Commissioner. Merci, Monsieur le Chair. Bon après-midi, tout bon, honorable. Pour ajouter, qu'il faut le côté pour improve detection, sanctions of all forms of tax evasion and smuggling, d'après nos stratégies aussi, qui nous en a pour compliance, nous sort of implémenter une stratégie qui target pareil à ban taxpayers qui willing pour zot comply, nous provide zot as much as possible avec l'assistance, faire quelque chose plus facile pour zot, pour encourager zot pour continuer comply. Et après nous avons une autre stratégie qui ben qui quelquefois il y en a certaines difficultés, nous donnons un petit peu plus d'éducation pour try and bring zot dans un groupe qui envie ou qui comply volontairement à cause d'un nous cas focus nos ressources plus l'ohaban qui quelquefois petit groupe qui zot quelquefois volontairement zot pas envie comply zot envie tout court quelquefois avoid pay zot tax tout court zot arrêta mais c'est bon ou pas qu'attrait tout quelquefois à bonne catégorie taxpayer pareil, so that's why quelquefois non ça ban différent la pose sur sa bande qui quelquefois qui tout court zot arrêta zot pour payer zot tax ou bien pour submit zot return qui nous fait nous tente pour servi ban paroi qui n'ont en bas la loi pour try and collect the tax sa abonnement qui se doit plus vite possible et ça peut toi quelquefois qui quelquefois en l'air quelquefois dans un payment arrangement qui gagne faire et si a dit tout coup il paye droit quelquefois nous un petit peu plus sévère avec lui qui ban dit monde qui willing pour comply qui je nous provide je, as much as possible avec l'assistance, avec l'éducation pour aider les continuer à comply. Pour le côté website, une website nous update li, as and when qui y en a ben nouvelle information, nous tout try and keep li updated. Seulement discussion qui nous en a internally c'est qui nous a pu un petit peu encombré à cause de la quantité d'informations le nouveau website c'est moyen un petit peu encombré sur nous peut revoir pour nous try and redesign une façon qui pour faciliter quelquefois l'interaction qui ben public qui fait avec nos websites quelquefois catégoriser les bases le medium size avec small taxpayer qui a un autre section qui a d'autres accès et ben large taxpayer ben information qui quelquefois il applique plus pour autres qui d'autres accès pour taxer jeune même chose comment pour faire les plus facile pour nous target ben information qui nous donne avec ben taxpayer. Merci ministre. Merci monsieur chairman. Mon collègue nous a bien raise question et un petit peu en parallèle avec l'honorable Jos. Ça bande du monde les venir ici nous pas besoin dépendant les aux autres éternellement et naturellement nous pas besoin faire ici qui dans notre contrat il y a une clause qui dit transfer of knowledge, ça est tellement très important et là nous pendant ces lois qui vont y assigner avec les autres et pendant les rapports si ça bande ces lois il doit dire si ça bande auditer puis travailler entre les autres n'a pas bénéfice qu'ils ont pu derive out of it pendant un rapport très fréquemment pendant ça 2 mois qui pouvait directement contre moi et là naturellement on besoin hold on to task. Monsieur Chairman, envie par mon dit aller l'expérience FIU NDA ça ban Irish nous pas capable de parler ça ban étranger indefinitely ça ferait un problème nous besoin payer passage avion payer ban frais pour amener autre ici ça est pas tellement très viable. Et moi, je crois que ça ne fait pas sens. Et c'est pour cela que nous avons encadré un clause qui dit à la fin du jour, nous avons besoin de quitter sa expérience un peu avec nous, c'est cela. Merci, M. Chairman. OK. Honorable Adelaide, OK. Honorable Adelaide, OK. Nous avons une dernière question avant de prendre un break. Honorable Gill. Merci, M. Chair. La table 4. Page 171, il y en a une proposition pour faire revue législation pour compliance avec OECD, CRS, après BEP,
BEPS. On peut demander si ils ont quoi ça 900 000 ou puis ils peuvent assez pour autres faire ça l'exercice. Après le numéro 2, ce qui dans sa bidze, il y en a quelque chose qu'ils ont pu imaginer pour améliorer sa fast track service qu'ils ont donné aux habitants pour aller clagique. Si y en a quelque chose pour imaginer faire quelque chose pour améliorer ça. Après, juste pour le commentaire ministre, je suis assisé que même si dans sa contrat, il y en a sa clause pour passer à l'expérience, je m'imagine que des mois, il n'est pas vraiment suffisant. Je suis proposé que si y en a sa bonne CC-loi qui nous sentit après des mois, il y en a potentiel, je suis assisé que nous ouvrons la porte aux assises pour les autres. Vous êtes capable vraiment mass bien knowledge et il va bénéficier le pays. Merci. Merci honorable pour question et aux bonnes suggestions ministre. Merci beaucoup monsieur chairman. Mon quoi l'honorable Guilin fait très bonne suggestion et mon quoi c'est ça qui nous en a tête il passe juste pour des mois gain train et puis à Badonzot c'est pour besoin continuer. Ce travail n'est pas fini après des mois, ça continue. Et mon si, qui c'est ces lois, très très vite, nous sommes une nation qui apprend vite. Et mon quoi, on va approuver nos écoles. Peut-être qu'il y a un certain travail qui n'a qu'à faire et à démontrer nos plus bons qui sont bons sud-africains. Merci. Merci, ministre. Nous avons six intervenants qui restent. Peut-être qu'ils m'ont suggéré nous pour un break là. Gil, il y en a une question qui commissionnaire voulait répondre, non? D. OK. Deputy commissioner. Monsieur Chair, ma part pour la première question. ce qu'il y en a pour faire avec CRS, avec BEPS, CRS, c'est un système automatic exchange of information qui nous entre en engagement avec là-dedans. Avec OECD, nous commençons à recevoir, faire premier exchange ça l'année, nous recevons cette information, nous sendons cette information dans les autres juridictions. Seulement, pareil, nous avons besoin d'assistance à comparer, nous recevoir l'information, il est important qu'il nous casse service à l'information aussi. So, that's why qu'il nous met sa provision pour nous gagner un peu technical assistance avec training, qui m'a dit nous casse service à l'information pour cross-check avec les autres informations qui sont dans le local pour identifier quelquefois si on a une practice tax evasion qui est arrivé et pour nous quelquefois procéder avec nos audits, nos investigations. Et c'est y apply pour BEPS côté nous ti oui avec pour BEPS côté nous joindre avec OECD pour implémenter si tout premier coup là il y a un minimum standard qui nous besoin implémenter et nous besoin l'assistance à cause ça y est bonne quelque chose un peu nouveau qui nous besoin l'assistance quelquefois pour nous car développer nos bonnes staff avec training qui m'a dit qu'il faut nous c'est celui qui a bénéficié avec sa bonne engagement qu'il faut qu'il nous fait pour BEPS. So that's why qui nous met ça certain amount qui pareil pour le moment là nous met ça 900 000 qui quelquefois il donne nous certain base le qui m'a dit qu'il faut nous développer capacité structure nous bonne audit et qui m'a dit qu'il faut nous servir bonne information et plus tard à cause à poser BEPS si pour le pays aussi plus tard, si quelquefois nous avons besoin plus de capacité et à quelquefois ben les autres guidelines qui sont développés avec sa bonne action à BEPS, ça y va quelquefois on va faire provision pour mettre plus l'assistance que nous avons besoin pour les futurs. Merci. Oui, commissaire. Merci, monsieur speaker. Monsieur speaker, concernant pour Alain, ministre des Affaires already une déclaration le côté pour improve fast track pour sa désir. Ça nous d'accord avec ça. Et après aussi, nous pouvons imaginer mettre un office qui pour provide advisory services pour sa désir. Nous avons déjà fait des visites par les manager fait l'autre. Nous les avons en discussion et nous pour come back là dans les futurs. Merci. Merci, monsieur. Bon, vu qu'il n'y a pas encore une quantité
intervenant là nous tourner nous ça demande Public Enterprises Monitoring Commission pour stand by pour nous voir aussi après avec ça nous point break et nous retourner 4 heures.